Eivor la généreuse, sois la bienvenue. Le résultat te plaît? Tu as su faire quelque chose de cet endroit. Mais en quoi cela t'aidera-t-il à ouvrir une porte en pierre? C'est une sorte d'hôtel à Freya. Nous aurons besoin de ses faveurs si nous voulons dévoiler les trésors cachés. Ah, tu es passé à nous? Je te l'ai dit, Eivor. Tu voudras voir ce qui se trouve au-delà de cette porte. Mais viens, Freya exige un combat avant de nous aider. Pendant un instant, j'ai cru que tu voulais que je t'affronte. Ne crains rien. Je sais me battre. Je ne peux pas me battre contre toi. Je te tuerai. Essaie toujours. Attaque-moi. Maintenant, relève-toi et offre à Freya un vrai combat. Bats-toi plus fort, Eivor. Ne me ménage pas, surtout. Tu ne te méfies pas assez de mes attaques. Cette vieille femme a l'ardeur d'un jeune homme viking. Tu ne te méfies pas assez de mes attaques. Maintenant, regarde. Vas-y, recommence. Quelle est cette magie? Et pourquoi as-tu autant de force qu'un berserker? Je peux te l'enseigner, Eivor. Mais avant, battons-nous! Thank you.
J'ai vu beaucoup de choses étranges, mais jamais rien de tel. Quelle est cette magie? Je ne connais pas de clairvoyante qui combatte ainsi. Je n'en suis pas une. Je ne suis que ce que tu vois. Une vieille guerrière qui connaît des secrets. Si ce n'était pas de la magie, c'était quoi? De la méditation de combat. Tu es entré dans le Hougreim, le domaine de l'esprit. C'est une forme d'entraînement que bien peu de gens connaissent. Elle permet d'attaquer sans crainte d'être blessé. Et pourtant, toi, tu la connais. Tu ne regrettes pas de m'avoir laissé rester, pas vrai? Pas du tout. Dis-moi, quel est le rôle de l'amulette exactement? C'est un réceptacle. Il faut la remplir de l'énergie générée au combat. Mais elle ne fonctionne qu'avec ce type d'hôtel. On en trouve dans toute la Mercy. J'ai encore plein d'autres questions. Tu auras tes réponses, c'est promis. Mais auparavant, j'ai indiqué l'emplacement d'un hôtel sur ta carte. Une fois là-bas, entre en méditation. L'amulette t'entraînera dans le Hougreim. Et que se passera-t-il à la fin de mon instruction? Eh bien, tu reviendras me voir. Très bien. As-tu déjà rencontré Valka? Tu me fais penser à elle. Va, Eivor, et entraîne-toi.